Mes chers amis, bonsoir. Bonsoir les gilets jaunes. Bonsoir les gilets jaunes en devenir. Il est temps de rejoindre la dissidence. Il est temps de rejoindre les gilets jaunes. Je vous avais annoncé le sujet, hein, bah c'est toujours la même chose. Vous aider à y voir clair dans cette manipulation qui n'en finit pas. Et donc à chaque fois qu'on démasque des manipulatrices et des manipulateurs, on voit là 10 derrière qui arrivent. Et encore avec ce que auront appris l'intelligence artificielle et les humains qui sont aux commandes de toutes nos analyses, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps une correction sans fin. Effectivement, cette septuagénaire qui s'appelle comme par hasard Madame Le Guay, soutenant une militante de la cause, si c'était une cause, une militante donc LGBT et qui s'appelle Le Guay. Il faut que vous appreniez à déceler quand ça commence à faire trop et quand ça pue. Donc effectivement, je ne m'appuie pas uniquement sur son nom de famille, si c'était vraiment son nom de famille. Je m'appuie sur plusieurs éléments pour vous dire que voilà une orchestration de plus. Voilà qu'elle est encore mieux faite que les précédentes, parce qu'effectivement, plein d'analyses sont passées par là et quand y compris la mienne sur Rodrigue et sur plein d'autres. Et voilà qu'il nous faudra encore et encore travailler toutes et tous pour ouvrir les yeux aux autres. Et à peine on aura entamé cette démonstration, qu'il y en aura d'autres qui auront déjà été mis sur le rang et dont la séquence aura déjà commencé, et qu'il y aura aussi des attentats, pas uniquement en France, comme Christchurch qui pue de très très loin. On le sent à des... On est en France, regardez. La Nouvelle-Zélande, c'est quand même pas à côté, hein. Ben, on le sent d'ici que ça pue, d'accord? J'en profite pour rappeler nos compatriotes musulmans, arabes, d'origine musulmane, de confession musulmane, peu importe, vu que je parle toujours au nom de tous, bah là, permettez-moi d'en profiter pour parler à des personnes qui sont de mon origine. Et je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est ne vous laissez pas utiliser, on les emmerde tous avec leur simulacre de soutien, le soutien aux communautés musulmanes, et on sait que derrière il y a des commanditaires et que c'est des false flags, des attentats sous faux drapeau, que c'est pas forcément le gars qu'on nous présente qui en est responsable, et ce n'est pas du tout par extension tous les gens qui lui ressemblent, à savoir des personnes blanches, on va dire nationalistes, qui ressemblent à ce gars-là. Donc voilà, nous sommes assez immunisés et vaccinés pour avoir subi toutes ces décennies les calomnies diverses des attentats false flag qui désignent à chaque fois comme terroriste, la communauté musulmane, pour savoir ne pas tomber dans le même piège. Donc voilà, avec vos attentats et vos pseudo-coupables et vos victimes à chaque fois désignées, on vous emmerde. Et on veut pas de vos je suis ci, je suis ça, et de vos soutiens à la noix. D'ailleurs, j'en profite pour étayer mon discours, pour vous montrer donc voilà des images comme après chaque attentat, pour faire parler, pour
pour tisser sur du vide. Donc voilà, je vous montre cette image. Alors, voilà ce qu'ils ont été capables de faire quand même. Dessiner dans le ciel le nom d'Allah, Allah étant donc Dieu pour les musulmans, Dieu en arabe. Et il n'y a pas que ça, vous avez vu toutes et tous les vidéos, les images, toujours bien faites, bien sensationnelles, de soutien envers la communauté musulmane là-bas, de partout, de tout le monde. On s'en fout de ce que vous nous faites, on s'en fout, on n'en veut pas, on vous a rien demandé, et on vous a pas demandé de commettre un attentat contre ni la communauté musulmane, ni aucune communauté. Voilà. Ce qu'ils ont fait, alors là c'est écrit en arabe, Allah. Mais c'est comme toutes les autres comédies, des cierges, des bouquets de fleurs et des artistes du système qui viennent pleurnicher pour tous les autres attentats, que ce soit Charlie ou n'importe quel attentat, qui sont des orchestrations et en plus des false flags. Et alors j'aimerais vous continuer l'histoire que j'ai commencé hier, donc sur nous. Nous, comme de tous les temps, nous sommes engagés dans le même combat, ce combat qui n'a pas, qui n'a jamais abouti de toute l'histoire de l'humanité. C'est le combat des esclaves contre l'Empire. Alors, il y a eu plusieurs divers empires. C'est à peu près toujours les mêmes esclaves. Et je vous avais parlé hier donc de Spartacus, pour remonter très très loin. Et je vous avais dit que les Gaulois, une toute petite poche de résistance, alors il y avait plusieurs autres ethnies, mais restant sur les Gaulois donc ont refusé de se soumettre à l'Empire total romain, et ils se sont battus donc contre Spartacus. Spartacus, pourquoi j'ai commencé par la fin? Parce que bien que Spartacus a mené par la suite la rébellion, pourquoi il est important, pourquoi Spartacus est ce que vous voyez aujourd'hui des gilets jaunes médiatisés, pourquoi Spartacus et Daniel Cohn-Bendit et d'autres personnes dans l'histoire que vous pouvez aisément reconnaître qui ont emmené à chaque fois la révolution dans le mur, eh bien, sachez pour ceux qui ne le savent pas que Spartacus, à la base, est un soldat et un soldat très aguerri, un gladiateur dans l'armée romaine. Il a ainsi pu la connaître de l'intérieur, en assimiler l'organisation, se former parfaitement à sa tactique et à sa stratégie. Ensuite, et voilà où j'attire votre attention, voilà là où il est le problème, c'est que personne ne s'arrête sur ce bug, sur cette faille. Donc ce Spartacus, il déserte, il devient un brigand, et ensuite il arrive à devenir leader des rebelles. Alors les rebelles, encore une fois je vous ai dit, il y a plusieurs factions, dont les Gaulois,
et mener donc la rébellion contre l'Empire romain. Sauf, comme je vous ai dit, bien entendu, ça n'a pas abouti, sinon aujourd'hui on n'en serait pas là, les amis. Nous sommes toujours, toujours dans la même lutte. Je vous résume très rapidement, hein. Sinon vous pouvez faire une recherche, Spartacus, vous verrez toute l'histoire. Alors certains vous diront que c'est la mythologie, moi je pense que c'est tellement réel que ça ne peut pas uniquement être de la mythologie. Effectivement, après les noms diffèrent, il est très probable que Spartacus soit un nom d'emprunt. D'ailleurs, d'autres l'ont repris par la suite, je vais vous en parler juste après. Et donc à un certain moment, Spartacus et les autres donc avec lui, à l'époque c'était énorme comme chiffre, mais ont réussi à former et à rassembler une dissidence, une armée de à peu près 120 000 hommes. Pour l'époque, c'était beaucoup. Et à un certain moment, il y a eu donc une scission. Il y a eu environ 30 000 hommes, et là, justement, écoutez, c'est important, composés de Gaulois et assimilés, des Ibères, des Celtibères, qui ont suivi le gladiateur Crixus en Apulie, tandis que donc l'autre moitié, qui est composée là du coup de Thraces et assimilés, c'est-à-dire des Grecs et des Orientaux, donc ils ont suivi Spartacus vers le nord des Apennins. Comme par hasard, le premier groupe, donc derrière Crixus, a été immédiatement décimé et ses troupes, donc les troupes ont été massacrées lors d'un tout premier engagement près du mont Gargano. En revanche, et c'est là où c'est très important, hein, il faut comprendre là où la matrice à chaque fois dérape. En revanche, comme par hasard, vous avez l'un qui se fait massacrer, mais Spartacus, venant, je vous le rappelle, de l'armée romaine, qui soi-disant a fait désertion, en revanche, Spartacus, lui, il vient à bout des légions que dirigent vers lui les consuls, différents consuls romains, mettant 16 000 Romains en déroute dans le Picénum. Et donc après, il y a eu plusieurs batailles. Et comment ça s'est terminé? Ça s'est terminé que Spartacus et la rébellion, les esclaves ont été battus. Et ça s'est terminé que ils ont tous été décimés et les derniers ont été, ouvrez bien vos oreilles, ont été crucifiés. Hein, d'accord? Ils ont été crucifiés. Donc 6 000 esclaves ont été crucifiés à la fin. Et je vous parle d'une époque qui est d'environ, hein, 70 années avant Jésus-Christ. Donc vous voyez bien que le premier, entre guillemets, rebelle célèbre qui se fait crucifier n'est pas véritablement Jésus. Donc c'est une répétition sans fin. Et nous sommes toujours dans la même lutte. Si vous n'y voyez aucun lien, alors revenez, faites beaucoup de recherches et peut-être que vous comprendrez que il y a beaucoup de faux dans ce qu'on nous apprend, dans cette illusion républicaine, dans cette science, cette médecine qu'on nous apprend. Et il y a beaucoup de vrai dans ce qu'on nous fait passer pour des imaginations,
de la mythologie, et même dans les religions même. Il y a beaucoup plus de vrai dedans que dans beaucoup de théorèmes et de démonstrations qui sont données pour exactes et irréfutables. Je vais vous montrer donc une photo. Donc frappante, hein. Alors effectivement, elle n'a pas été dessinée à l'époque, hein, mais c'est juste une illustration pour que vous voyez que la croix symbolise beaucoup de choses, pas uniquement Jésus. Regardez. Donc cette image illustre ces 6000 esclaves qui sont restés jusqu'à la fin, qui ont été crucifiés. Et concernant Spartacus, eh bien nous avons aussi la même, on va dire, le même mystère à la fin que beaucoup d'autres personnes auxquelles vous penserez, j'en suis certain comme moi. C'est-à-dire, on ne sait pas vraiment, on n'a jamais trouvé véritablement sa dépouille, envolée, disparue, comme beaucoup d'autres. Bon, je vous cite pas Jésus. Nous avons vu la même chose avec Hitler. Nous avons vu la même chose avec beaucoup d'autres personnes. Dernier en date, Ben Laden. Mais là, on nous a dit que intentionnellement, ils l'ont fait disparaître en mer. Voilà, ça devrait vraiment vous interroger tout ce que je vous dis. Aujourd'hui, mes chers amis, il s'agit de ne pas refaire les erreurs du passé. Il s'agit de ne pas reprendre quelqu'un qui provient du système. La meilleure chose à faire, c'est de mettre des présidents partout dans le monde suite à la révolution des Gilets jaunes. Je pense à l'Algérie particulièrement et à la France, des leaders qui n'ont jamais baigné de près ou de loin, on va dire, dans le système, que ce soit au travers de réussites fulgurantes dans la finance, là je pense à Emmanuel Macron, ou au travers de CV surchargés. Hein, surchargés de plusieurs, on dirait, certains, on dirait qu'ils ont vécu plusieurs vies, tout ce qu'ils sont arrivés à faire. Je pense que notre salut viendra de présidents et de leaders vraiment qui, limite, on les aura ramassés à la rue, qui auront toute leur vie pris des coups comme vous, sans jamais réussir à s'enrichir et qui ont, pardonnez-moi l'expression, les huissiers au cul. Alors là, je ne pense pas uniquement à votre serviteur, il y en a quelques-uns dans mon cas. Je pense aussi à Dieudonné, même si il y a des sommes qu'il a perçues, que bien entendu il est obligé de faire transiter par d'autres personnes de son entourage pour ne pas se les faire piquer par ses ennemis. Mais effectivement, je pense à votre serviteur, il y a d'autres personnes. Alors, pourquoi je vous dis que ça pourrait être effectivement un nom d'emprunt, Spartacus? Parce que regardez, il y a des liens partout, hein, les amis, dans l'histoire de l'humanité. C'est un fil conducteur continu. Regardez qui d'autre donc a aimé le nom Spartacus et qui l'a utilisé. Eh bien, je sais que beaucoup d'entre vous adorent tout ce qui tourne autour. Et là, je parle des Illuminati. Les Illuminati, alors là, je ne l'ai pas sur moi, seraient responsables
de beaucoup de choses et de l'œil qui est au-dessus de la pyramide que vous pouvez voir sur le billet de 1 dollar qui n'a jamais changé depuis la première fois qu'il a été créé, c'est-à-dire en 1776. Là, j'ai toujours un billet de 1 dollar sur moi. Lorsque je le mets sous les yeux de personnes, donc on va dire trop endoctrinées par le système, d'un coup, il y a un choc électrique qui se produit et la personne devient un peu sidérée et commence à chercher. Alors, si vous le permettez, je peux aller vous le chercher, mais il est très facile de trouver des captures sur Internet, il est très facile d'aller vous en procurer dans n'importe quel bureau de change. Et d'ailleurs, je diffuse souvent une vidéo sur la franc-maçonnerie très bien faite par un Suisse qui reprend donc ce symbole de la pyramide avec l'œil au-dessus. Et donc, les Illuminés, les Illuminati proviennent, je vais vous en dire un résumé éclair, il n'y a pas besoin de trop s'attarder. À la base, donc là, par extension, on les appelle les Illuminati, mais à la base, ils s'appelaient les Illuminés de Bavière, ou aussi Illuminati de Bavière. Je ne vais pas vous lire en allemand, parce que c'est la Bavière, c'est en Allemagne. Et donc ils furent une société secrète allemande du XVIIIe siècle qui se réclamait de l'Aufklärung. L'Aufklärung. Je suis quadrilingue mais pas allemand. Et donc plus généralement la philosophie des Lumières. Et comme je vous dis, tout se tient. La chute donc du royaume de France symbolisée par donc Louis XVI décapité provient de beaucoup d'éléments, mais surtout du fait qu'il a été noyauté par l'intérieur, donc au travers de sa femme Marie-Antoinette, qui a été séduite et manipulée par cette foutue philosophie des Lumières. Donc il faut en avoir conscience de ça. Ils sont même partis jusqu'à droguer et faire boire Louis XVII, donc qui est leur fils, pour qu'il signe des aveux d'inceste avec sa mère et d'autres aveux qui sont bien entendu fantaisistes. Et c'est une honte d'avoir comme ça utiliser un enfant parce qu'il était un enfant à l'époque. Donc il y a plein d'autres éléments que je pourrais développer hein, sur Marie-Antoinette. À la fin, elle a donné un excellent indice lors de son pseudo-procès. Mais ça, je le laisse pour d'autres entretiens, d'autres émissions. Mais elle n'est pas partie, on va dire, sans ouvrir les yeux. Et elle a transmis un indice capital lors de ses procès. Et donc, revenons à ces Illuminati. Donc, je vous ai dit, le billet de 1 dollar, créé en 1776, les Illuminati fondés. Donc les Illuminati de Bavière fondés le 1er mai 1776 par les philosophes et théologiens, et donc cette personne est très importante, Adam Weishaupt. Donc Adam Weishaupt, c'est quelqu'un de machiavélique, bon, ben bon, on peut dire c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, comme le sont aujourd'hui beaucoup de personnes. Et donc il a appris beaucoup en intégrant la franc-maçonnerie. Il a tout simplement pompé sur la franc-maçonnerie
Et ensuite, il a créé sa propre loge, tout simplement. Et sa loge, donc, elle était tellement, on va dire, perfectionnée, qu'ensuite, la franc-maçonnerie a été obligée de nouer des partenariats, des accords avec lui, et qu'il a obtenu que chacun de ses adeptes, dès que vous, si vous faites, si vous avez la chance de faire partie de sa loge, donc les Illuminati de Bavière, l'équivalence par rapport à la franc-maçonnerie, vous étiez d'office déjà au dixième degré, sachant que la franc-maçonnerie, officiellement, possède 33 degrés. Que, effectivement, il y a des degrés supérieurs cachés, et là, vous rentrez dans le domaine de ce qu'avait créé Adam Weishaupt, et donc là, vous retrouvez dans le domaine des Illuminati. Donc, il a créé cette loge à Ingolstadt, et elle eut affaire à des dissensions internes avant d'être interdite par un édit du gouvernement bavarois en 1785 et de disparaître peu après. Alors, effectivement, c'est là que il faut comprendre qu'elle n'a jamais disparu. Quelque chose d'aussi perfectionné ne peut pas disparaître, et en plus qui est rodé au secret, c'est impossible, et qui a infiltré dans le foyer même, donc du malheureux roi Louis XVI, ne peut pas disparaître comme ça. Et donc là, je vous lis ensuite un avis par rapport à un livre. De nombreux mythes et théories du complot ont prétendu que l'ordre survécut à son interdiction et qu'il serait responsable, entre autres, de la Révolution française, de complots contre l'Église catholique romaine, ainsi de la constitution du nouvel ordre mondial. Donc voilà, vous voyez que c'est extrêmement d'actualité. Et donc, pour en revenir à pourquoi je vous en parle, c'est que ils fonctionnaient par pseudo, effectivement. Leur système est extrêmement machiavélique et extrêmement intelligent. Pour ne pas se faire pincer, ils communiquaient par codification. Et donc, lorsque par exemple ils voulaient citer des villes, parler des villes, ils avaient un certain nombre de codifications pour nommer des villes à la place d'autres. Il n'y avait que eux qui comprenaient. Par exemple, imaginons que Paris équivaut à Madrid, eh bien, à chaque fois qu'ils voulaient se donner rendez-vous à Paris, ils se donnaient rendez-vous à Madrid. Il n'y avait que eux qui le comprenaient, et bien entendu, ceci changeait en permanence. Et donc, ils fonctionnaient par pseudo, effectivement, ils échangeaient pas leurs messages, et ils s'appelaient pas par leur nom. Et donc, le chef des chefs, Adam Weishaupt, Machiavel en personne, avait choisi, comme par hasard, le surnom de Spartacus. Voilà. Alors, ceci pour vous dire qu'aujourd'hui, il est absolument nécessaire de réussir une bonne fois pour toutes la révolte des esclaves qui aura été fomentée depuis des millénaires, depuis la nuit des temps, par l'Empire de manière générale, par les manipulations, par les faux prophètes qui arrivent comme des sauveurs et qui emmènent la révolution dans le mur et sur la croix. Il est important de ne pas refaire les erreurs du passé, les amis. Allez, je pense que j'en ai assez dit sur le sujet pour aujourd'hui. Donc voilà,
Soyons tous unis, peu importe les horizons. Vous voyez bien que le mouvement est absolument mondial. Ce que nous faisons en France permet à d'autres peuples, à d'autres amis d'avancer plus vite. Je pense à l'Algérie. L'Algérie, qui est bien entendu une province de la maçonnerie française, et tout est tenu par les mêmes, les services secrets, la franc-maçonnerie, la France-Afrique, c'est la franc-maçonnerie, voilà. Tout est, il y a un tissu extrêmement, extrêmement bien ficelé, extrêmement difficile à démasquer et extrêmement puissant, extrêmement efficace et aussi, j'ai envie de dire, extrêmement invisible. Il n'y a pas, mes chers amis, d'extraterrestres, c'est tout simplement des humains avec ce grand secret depuis la nuit des temps. Et qui fabrique toujours de la désinformation, qui inverse les choses. Ils vont inverser le bien et le mal, ils vont tout inverser. Ils vont inverser l'agresseur et la victime. Tout est absolument inversé pour que vous ne vous rendiez jamais compte de rien et que vous n'ouvriez jamais les yeux. Donc aujourd'hui, vous voyez que le comment vit Macron, d'où provient déjà Macron, son cursus, il ne provient pas du peuple. Il a été récupéré à 15 ans par sa future femme. Ensuite, il a vécu dans un cocon des élites. Et ensuite, aujourd'hui, on le fait vivre en permanence dans un cocon, on va dire, de diverses entités, pas forcément franco-françaises. Vous avez un exemple flagrant, j'en ai parlé hier, de Benalla, qui est en réalité un agent des services secrets marocains, qui sont en réalité une façade des services secrets israéliens, le Mossad. Et il n'est pas le seul à graviter autour de lui. Et vous avez toute la franc-maçonnerie, tous les tissus francs-maçons, qui, sur le terrain, vient au contact donc de Macron lors de ses déplacements pour non seulement le faire vivre dans une illusion de soutien populaire, mais surtout pour lui montrer que finalement il n'a d'autre choix. Alors je ne dis pas que Macron est bien, je vous appelle juste à ouvrir les yeux sur l'impossibilité de la tâche et sur l'importance de notre rôle. Alors, après toute cette introduction, vous comprendrez la suite de ce que je vais vous montrer. Donc, je vous ai parlé de la famille Rodrigue & Co. Et il est impossible, mes chers amis, que les Rodrigue & Co. ne fasse pas partie du système des services secrets, du système, parce que être dans un pays avec nos propres services secrets, notre police, notre gendarmerie, notre magistrature, toutes nos forces, notre armée, et qui reste à ce point impassible devant autant d'orchestration, devant autant de dénonciations, d'orchestrations de votre serviteur ou d'autres, il n'y a qu'une explication. C'est que tout le monde
fait partie de la même maison. Et ensuite, c'est trop facile pour les politiques et le gouvernement, pour Macron, pour Castaner et d'autres, de cogner sur ces orchestrateurs, ces faux gilets jaunes, à partir du moment où ils savent pour qui ils travaillent et ils savent que leur pseudo martyr est faux. Et donc, c'est un circuit fermé et dans lequel nous sommes les pigeons. Enfin, des pigeons forcés. Donc, il est essentiel d'éveiller un maximum parce que seul le nombre nous permettra de libérer notre pays, que la France redevienne libre, qu'on propose autre chose que ces républiques maçonniques, pas uniquement en France, et que on protège le peuple et notre société au travers des valeurs catholiques, mais tout en restant, bien entendu, tout en demeurant un État laïque. Allez, je vais vous montrer donc une vidéo et ensuite je vais vous faire l'analyse. Ouvrez les yeux, peut-être que vous verrez. L'analyse que je veux vous montrer, mais il me semble assez difficile hein, parce que ça va très très vite et c'est intentionnel. C'est intentionnel. Les vidéos qui circulent de très mauvaise qualité, les vidéos qui bougent dans tous les sens où on n'arrive pas à voir les visages, tout ceci, ce n'est pas le fruit du hasard. Arrêtez de croire qu'il y a autant de hasard dans la vie. Le hasard n'est pas aussi fréquent qu'on vous le fait penser. Et c'est d'ailleurs le problème de ce monde, c'est que certains ont comploté pour annihiler, hein, pour neutraliser notre libre arbitre, alors que c'est les lois de la source, les lois de Dieu, que nous ayons notre libre arbitre pour faire notre expérience et pour la réussir ou pas. Eh bien, ils ont comploté pour qu'au final, nous soyons toujours enfermés dans un seul et unique choix, mais qui propose des centaines et des milliers de choix, toujours vous emmenant vers le même et unique choix qu'ils ont décidé. Vous prenez le meilleur exemple, c'est les élections présidentielles. Vous avez une multitude de candidats, mais vous aboutirez toujours au même choix, au même scénario qui a été décidé par ces gens qui écrivent les nouvel ordre mondiaux et les scénarios qu'ils nous font vivre d'époque en époque, d'année en année, de mois en mois, de jour en jour. Allez, on regarde la vidéo, donc qui fait un bon quart d'heure, et on se retrouve après. Donc ils l'ont intitulé Place Beauvau, on accueille Manu avec Jérôme Rodrigue. Moi j'ai plus de voix, je suis naze. Ah ouais, les pauvres, ils pensaient aller dormir quand même à cette heure-ci. Ils les ont réveillés parce qu'il n'y avait personne quand on est arrivé. Ils sont pas là d'aller coucher. Les pauvres quoi. Ah non, il y en a d'autres qui arrivent, hein. Qu'est-ce qu'ils font? Tout ça pour nous quoi, on est 10. Non. Ça va? On est 1000. Un fric par... Non, par personne. Ouais, au moins. On fait la première sommation là. Moi en tout cas, je peux aller. Voilà les gars, on est devant Place Beauvau. On attend la sortie d'Emmanuel Macron. Bon, forcément, on a un accueil. Voilà. Bon, c'est cordial. Voilà. Vous avez la Place Beauvau là-bas, avec les belles voitures de luxe.
Je pense que vous connaissez le sens des sommations, donc je vais vous demander de reculer. Je vais opérer les sommations dans leur forme légale. Allez les gars, poussez-vous, je vous recule. Jusqu'à où 2 mètres. Voilà, le commissaire de police, vous avez vu le commissaire de police en direct. Voilà, on accueille Macron et on se fait déloger par la police place Beaubourg. On va faire l'usage de la force. Mais on y va, ça sera... Chantez, Jérôme. Emmanuel Macron, oh, que t'es le con. Oh, viens te chercher. Regarde, on est sur la deuxième tomate. Emmanuel Macron. Oh, tête de con! Donc, j'ai coupé le live. De toute façon, on est sur la deuxième tomate. Ils nous poussent vers les collègues. ouvrez les portes des fourgons, Une fois de plus, on ne peut pas accueillir notre président. On était à 50 mètres et on nous dégage, on ne veut pas. Il veut pas nous voir. Hein? Il est devant aussi. Ouais, je sais, mais ils veulent qu'on aille à la prochaine intersection. Moi j'avais dit dans les tables aux fourgons qu'on allait être. C'est les gendarmes en face. Et le gilet jaune au communiqué, si on est lassé, c'est pour. On a eu les deux sommations avant usage de la force. Le bloc derrière, devant. Voilà la famille, on est là. Oh, petite mèche rebelle, j'avais pas vu sur la caméra. Voilà. On était place Beauvau. Vous êtes fatigués ? On n'est pas fatigués ! 23h, pas loin des champs, place Beauvau, à quelques mètres du palais de l'Elysée. On se fait déloger pour accueillir Macron. Il est déjà là, hein, il est en réunion. Ouais, il est en réunion, ouais. On traverse la route, il n'y a pas de travail. Voilà. Saluer notre président pour les bonnes choses qu'il fait pour son peuple. Demandez si ses vacances sont bonnes. Vous voulez le remercier pour ses classes et ses FPD. Un pognon de dingue. Un pognon de dingue, je vous dis. Voilà, pensez à partager. On a voulu accueillir Manu. Ils sont retour du ski, on voulait le voir bien bronzé. Son petit retour de la Montgie. Et puis voilà, on est délogé. On n'a pas le droit. Carrément délogé. Ah ouais. Ah merde. Nathalie qui avait vu M. Macron. On aura au moins essayé. Voilà. On s'est à partager. À 100 mètres de l'Elysée, 50 mètres de place Beauvau. Délogé par la police. Ils ont envoyé la Emmanuel Macron. On est escorté par la police. La classe. Elle est escortée par la police et la classe présidentielle. Gilets jaunes, quel est votre métier ? Ils sont en train de nous repousser vers les Champs-Élysées, c'est con. Rejoignez-nous. Ne nous regardez pas. Pour les faire courir. On aura au moins interrompu ces vacances au ski. Grassement payé par l'État français, les petites vacances au ski de Macron, on lui a foutu en l'air. C'est pas bien, on n'est pas gentil. T'as vu ? On n'est pas gentil. Je peux même pas aller au ski, moi, tu vois. C'est ça. Et en plus, ski, là où je skie, j'irai plus jamais. Élisez, il est à qui ? Il est à nous.
faire un double live. Mais non, ils vont continuer. Les jaunes, quel est votre métier? Aou. Allons, enfants. Miaou. Le miaou. Un jour de mort est arrivé contre nous de la tyrannie. Les enfants de Macron. Pour ceux qui plus. Eh ouais, Macron, on est là et on bouge pas. Quelle heure il est, Flo? Flo, quelle heure il est? 23h40, on est là encore. Ce qu'on appelle une after manif, une grosse after de manif. Hein, 9 km pour la forme et le décrassage. Dans la porte. Mais non, mais la matraque à Macron, il n'en veut pas. Il s'appelle la matraque à Macron. Alors c'est peut-être la taille, il n'est pas assez gros. Non, c'est pas possible. Eh Nathalie, viens voir. Vous reconnaissez Nathalie? C'est moi. Celle qui voulait offrir le... Attends, il est dans le soutien-gorge. Ah, il est dans le soutif. Ah ouais, hop. Voilà. Voilà. Nathalie, la personne qui voulait offrir son petit collier à la Réunion et qui a regardé BFM et qui leur a dit la vérité. Et aujourd'hui, je lui ai amené ça pour remplacer Benalla. Non, ça, mais c'est la matraque à Macron, ça. Voici c'est dégueulasse. C'est bon d'être escorté quand même. Hein. C'est génial. Et moi, je commence à prendre goût à être un VIP. Je te jure, c'est beau. Bon, il faut qu'on avance, il paraît, jusqu'au prochain rond-point. Il nous envoie un rond-point. Il préfère qu'on soit un rond-point. On y va. Ouais. On y va. En même temps, les ronds-points, c'est toute la vie des gilets jaunes. Allez, ils nous escortent jusqu'à un rond-point. Les ronds-points, on les connaît par cœur. Ici, là, un petit coucou à mes... Salut. Vous avez dû voir qu'on n'a pas pu voir monsieur le président. Mais on se fait un petit after manif. On se fait un petit after manif pour montrer qu'on est là. Pour montrer que les problèmes, ils sont là, de jour ou de nuit. Voilà. Que nous, les problèmes, c'est 24 heures. La nuit, elle porte pas conseil. La nuit, il faut charbonner aussi. Voilà. Le révolutionnaire marche le jour, travaille la nuit. C'est ça. Hein? Bah, il nous envoie. Je sais bien. Il aura du mal à les encercler. Il fallait me casser la gueule. Je t'ai vu partir. Encore ici, tiens. Bonsoir, messieurs. Ouais. Histoire de revenir à gauche. Bah, c'est des grands garçons. Faut qu'on traverse. Faut aller par où, la ville? Hein? Nathaël. Est-ce qu'on peut traverser là? Oui, traverser. Moi, voilà, escorté par le commissaire. Excusez-nous, messieurs. Vous m'emmenez jusqu'à chez moi? On va en boîte à Castaner, on a prévu un petit repas chaud au Fouquet's. Il est bien chaud. Il est bien chaud le repas au Fouquet's avec Castaner. Ah, je sais pas, attends. T'inquiète, ils arrivent.
Le mec il gueule, le mec il chute tout ça, il est volé. Et je sais pas quoi, il a donné le nom de Félix, il y a le canard. On a des noms de code. On a des noms de code. Tu les avais les condés comment ils courent à droite à gauche partout. After, after manif la famille. Même la nuit le gilet jaune a besoin de marcher. Voilà, c'était le petit live de la night. Le petit accueil à Monsieur Macron. Lui montrer qu'on est là. Tiens. Le live de la night. On est parti voir le seul fléau qu'on nous reproche pas aux jaunes. Le fléau, c'est la naissance de Macron. De toute façon, ils avaient dû jusqu'au boulevard. J'ai de leur quoi ? Une niette. C'est là où ils veulent qu'on aille. C'est à l'envers, c'est tout le monde, on regarde ça. C'est mort, ils vont nous arrêter sur le sang. Les gilets jaunes ? Oui. Ah bah dis donc, c'est la première qui ont fait un effet pareil quand même. C'est hein. Clair. Emmanuel Macron, oh tête de con, on vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, oh tête de con, on vient te chercher chez toi. Pilou pilou. Voilà la famille, je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une bonne nuit et on se revoit très vite. Et pour tous ceux qui s'inquiètent, je vous promets un live cette semaine. Entre nous, en tête à tête, entre vous et moi. Je vous fais un gros bisou, j'ai plus de voix aujourd'hui. On s'est fait gazer de fou. Ça a été le gros bordel, mais à un moment donné, monsieur Macron, on n'a que ce qu'on mérite. Et à prendre les gens pour trop des cons, à pas nous donner ce que l'on veut, eh ben faut s'attendre à ce genre de choses. Et c'est bien dommage. Parce que les choses pourraient passer bien simplement si ce petit monsieur Macron acceptait nos simples revendications, qui est celui du mieux vivre. Alors Manu, si tu nous entends, arrête tes conneries, donne au peuple ce qu'il a besoin, c'est tout. Et les choses rentreront dans l'ordre, tout simplement. Il parle voilà. Même pas. Bonne soirée à tous, bonne nuit à tous, et merci pas. Pour vos partages. Ils en parlent même pas. On lâche rien à la famille, on lâche rien. Ils en parlent même pas. On lâche rien à la famille, on lâche rien. On est là. Donc voilà mes amis. Moi j'ai plus de voix, je suis naze. Ah ouais. Le jour où vous serez convaincu que tout ce que vous venez de voir, c'est une orchestration, qui sont tous et toutes en train de jouer la comédie dans cette vidéo. À une ou deux personnes près, des idiots utiles qui ont suivi, qui savent pas pourquoi ils sont là. Mais ça m'étonnerait. Vous avez vu l'heure tardive, là ils sont sûrs d'avoir personne dans les rues. Il y avait presque aucun passant.
c'est comme ça que ça se déroule, leurs orchestrations. Et on a beau chercher après, on trouve pas de live, de ce que eux ils présentent comme étant des lives. Alors, cette vidéo, elle a été uploadée le 17 mars 2019. Et donc, si vous voulez savoir où je veux en venir, eh bien, j'ai regardé en même temps ce que vous écriviez. Et il y a une personne, franchement, que je félicite, hein, qui a l'œil. Bravo, tu as eu le même œil que moi, alors que moi, je m'y suis pris à plusieurs reprises pour vérifier. Eh bien, c'est Nathalie Ménon qui, dès que la vidéo a commencé, a dit elle me dit quelque chose, cette blonde. Eh bien, bravo, t'as compris là où je voulais en venir. Et donc là, démonstration. On regarde juste les quelques secondes au début, vous allez comprendre à quel point ces gens-là sont forts. Ils vous la montrent sans vous la montrer, et vous ne la reverrez plus après de toute la vidéo. C'est pour ça que j'ai insisté pour montrer la vidéo jusqu'au bout, malgré que c'était saoulant pour tout le monde de les entendre chanter avec leurs chansons là, qui veulent que les gens reprennent. Et vous voyez évidemment qu'ils veulent emmener des gens vers des stratégies perdantes, comme Spartacus, comme d'autres après lui, des stratégies suicidaires, des stratégies tout simplement de confrontation. Parce que ne demander que aller voir Macron, c'est tout simplement demander la guerre. Alors, regardez, on va regarder les premières secondes pour que vous compreniez qui est Jérôme Rodrigue. Alors c'est quelqu'un qui est très fort dans l'utilisation de tout ce qui est donc vidéo. Il a beaucoup de talent sur ce point, retouche d'image, etc. Regardez, j'insiste, les quelques premières secondes, et vous comprendrez après, à chaque fois que vous verrez des vidéos, vous verrez le caméraman, peu importe si c'est Rodrigue ou d'autres, fuir les visages, bouger très très vite, ne jamais vous laisser identifier qui que ce soit, si ces personnes-là ne sont pas à la base masquées ou avec de grosses lunettes noires, ou comme vous le voyez toujours, avec les soi-disant street medics et d'autres, les soi-disant CRS, etc. Donc, concentrez-vous. Moi j'ai plus de voix, je suis naze. Ah ouais, les pauvres, ils pensaient aller dormir quand même à cette heure-ci. Ils les ont réveillés parce qu'il n'y avait personne qui posait un lit. Les pauvres quoi. Ah non, il y en a d'autres qui arrivent là, qu'est-ce qu'ils font? Elle est là cette femme. Tout ça pour nous quoi, on est 10. Non. Ça va? On est 1000. Un fric par personne. Ouais, au moins. On fait la première sommation là. Moi en tout cas, je peux. Voilà les gars, on est devant Place Bobo. On attend la sortie d'Emmanuel Macron. Terminé. Vous ne la reverrez plus pendant un quart d'heure. C'est la femme blonde en bas de l'écran à droite. Vous la voyez furtivement et en plus, il n'y a aucun doute, c'est elle que je vais vous montrer dans la vidéo suivante. Vous reconnaissez son sourire, son rire. Regardez en bas à droite. Tout ça pour nous, quoi, on est 10. Non. Ça va? On est 1000. Alors, une photo de cette dame-là. Regardez. Donc avec Jérôme Rodrigue. Et après, je vous montre, si vous ne l'avez pas déjà reconnu, qui est cette femme-là. Donc, observez bien, je regarde, est-ce qu'il y en a qui l'ont reconnu? On a du décalage, donc je ne vais pas attendre vos réponses, je vais vous dire, tada! Voilà qui est cette femme. Et après, vous arrêterez, j'espère, je l'espère, de croire au hasard.
Allez, enlève le rideau. Donc le 28 février 2019, voilà ce qui s'est passé par le plus grand des hasards. Tada! Bonsoir. Alors si on m'avait dit que j'allais être face à Monsieur Macron ce soir, eh ben, j'y aurais pas cru, hein. Mais quand je l'ai vu à BFM tout à l'heure, j'ai dit je prends ma voiture et j'y vais parce que moi je vais lui parler ce soir. Donc Monsieur le Président, parce qu'on m'a bien élevé, donc je vais dire Monsieur le Président, j'ai une phrase qui me guide dans ma vie et qui est Hablando se entiende la gente, ce qui veut dire en français, c'est en parlant que les gens se comprennent. Donc effectivement, vous avez lancé un grand débat pour qu'on vous apporte les thèmes vous les avez donnés, des solutions. Alors on n'a pas tous fait des grandes écoles, des solutions on en a parce qu'on les vit, on vit au quotidien des situations graves. Moi je suis privilégiée, mais je vois autour de moi des gens qui souffrent. Et notamment, bon, ben, les impôts, moi, l'ISF, je suis d'accord avec vous, hein, c'est pas 4 milliards de plus ou de moins qui vont nous faire quelque chose. S'ils les investissent, tant mieux. S'ils les investissent pas, il faudra leur taper dessus. Taxer les pauvres à 1 euro alors qu'ils en ont déjà pas, je sais pas si c'est le moment de le faire. Je pense qu'il va falloir attendre un peu. Et moi, monsieur Macron, j'ai un petit service à vous demander. Et je pense que là, votre grand débat, si vous avez envie de faire un petit effort envers les Français, il peut faire un grand pas. Juste, vous parlez de liens, de contacts. Moi, monsieur Macron, je suis pacifique, ne vous inquiétez pas. Moi, monsieur Macron, j'ai un petit cadeau pour vous, parce que depuis le 17 novembre, je suis gilet jaune. Je suis gilet jaune, monsieur Macron. Et j'ai envie que vous le soyez avec vous. Attendez, je vais pas me déshabiller, ne vous inquiétez pas. Là, je suis un peu émue quand même, je vous l'avoue, alors que... Non. Je vais vous le rendre. Hop. Et moi, monsieur Macron, et j'espère que BFM... Ouais. Ouais. Je vais vous le prendre. Non, mais je ne le mettrai pas. Donc là, je vous avais déjà vite fait analysé, mais je le rappelle, elle s'est un peu... c'est un peu, les effets de l'émotion et du trac, hein, tout simplement, parce que là, c'est scénarisé tout ça. Elle a parlé de BFM avant l'heure, parce que c'était prévu, comme elle a fait à la fin, qu'elle aille cracher sur BFM lorsqu'on lui tendra les micros. Donc là, déjà, petit bug. Monsieur Macron, nous sommes toutes des femmes ici, et je pense que vous devez faire plaisir aux dames. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas refuser à une dame. Non, regardez, monsieur Macron, regardez ce que l'on va faire. Regardez, écoutez-moi, ayez confiance en moi, je ne vais pas... Tenez, madame Schiappa, je ne vous porte pas dans mon cœur non plus, parce que vous avez des phrases, des fois, qui me déplaisent. Mais je vais vous dire... Mais bon, je suis là quand même. Je suis le président de toutes les Françaises et tous les Français. Oui. Mais j'ai le droit de ne pas mettre un collier gilet jaune, Moi je dis que si vous voulez réconcilier les Français, acceptez ne serait-ce que ce soir, avec les Bordelais et les Bordelaises, d'être avec nous dans le cœur. Dans notre cœur. Honnêtement, je pensais pas que je pourrais vous parler. En plus il me touche. Je vais me faire haïr par mes gilets jaunes. Je vais vous dire. Dites-moi. Ce débat, pour moi, il est très important. Mais oui, c'est important. Et c'est très important pour nous tous, que vous puissiez dire les choses. Oui. Je veux bien le prendre si vous me faites un cadeau. Non, mais parce que vous le portiez quand même. Mais je ne vais ni porter le gilet jaune, ni porter le. Parce que de la même manière. Vous n'allez pas le jeter alors. Pardon? Vous n'allez pas le jeter. Non, si vous m'offrez, je le prends. Parce que je dis, je suis le président de toutes les Françaises et de tous les Français. Oui. Mais je ne vais pas dire, j'appartiens à un groupe et ça n'est pas une question d'appartenance. Non, mais c'est ça une n'est question pas... de faire un geste pour dire, je vais vous entendre, mais je vais vous écouter mais surtout. Je l'ai fait ce geste. Vous entendre, on vous voit. Non, il y a une réponse qui a été apportée le 10 décembre. Non, pas les 10 milliards d'euros, s'il vous plaît. Non, mais pardon, enfin, voilà, c'est pas ça. Mais si, c'est une vraie réponse. Non, mais je pense pas. Je crois que si. Et les vous gens, savez, monsieur Macron, et je pense qu'il faut que vous demandiez aux gens qui ont touché le 4 février dernier la prime d'activité si c'est pas une réponse qui peut changer et leur vie. Et on en connaît beaucoup qui l'ont pas touché. On en connaît beaucoup mais dont non, les appels ont baissé. Ils n'ont peut-être pas droit. Mais si, et demandez aux gens qui vont toucher à partir de mai
la réparation sur la CSG qui a été décidée et demandée aux gens. Voilà, donc ce sont des vraies choses. Vous pouvez pas me dire 2 euros enlevés là, c'est terrible, ouais. Et je vais dans la rue. Non. L'augmentation, ça, c'est terrible, et de dire 10 milliards, c'est rien. Le problème, monsieur Macron, vous voyez, quand je vous faisais signe, je me suis dit, allez, il est peut-être abordable et il est peut-être vraiment sincère. Mais là, quand vous parlez comme ça, je me dis, en fait, on n'arrivera à rien. Mais c'est pas vrai. Vous n'avez pas envie de nous entendre. Venez manger, allez chez les gens. Et manger, voilà, non, elles sont là, elles ont été invitées, vous inquiétez. Mais non, je vous rappelle qu'on s'était mis comme règle l'écoute et le respect, les gens, premièrement, et on avait parlé aussi d'intervention rapide, s'il vous plaît. Ce que je veux vous faire comprendre, moi j'ai lancé ensuite, en début d'année, un exercice inédit, celui de ce grand débat qui est en train de se faire partout en France, bon, et où il y a des choses qui s'échangent, des désaccords, des choses qui sont partagées, très bien, et des décisions seront prises, et j'ai pris des engagements. Mais vous n'avez pas les remontées exactes. J'étais à un grand débat samedi matin, la ville de Marcheprime. Okay. Alors allez-y. On a tous parlé, Et à la fin du grand débat, donc la personne LRM qui organisait la chose, nous a dit, ben voilà, merci d'être venu, nous vous avons entendu. Maintenant, il serait temps d'arrêter de manifester, de rentrer chez vous. C'est pas comme ça qu'il faut parler aux Français. Vous les aurez pas comme ça. Non, je pense que madame, vous les aurez pas comme ça. Vous en entendez qu'il dit ça. Vous exprimez un point de vue qui m'a pas l'air partagé par l'ensemble de la salle. Les remontées, ça n'est pas ça. Ouais. Parce que ça, ce sont pas des solutions. Je confirme que les remontées, ce n'est pas du tout ça. Hein. C'est quoi cette connerie qu'elle a sortie avec son pendentif en plus ? Qui l'a missionné pour faire ça ? Certainement pas nous. Hein. Moi, j'ai entendu beaucoup de remontées qui disent « il y en a assez de la franc-maçonnerie », par exemple. Ça, c'est des vraies remontées. Ça va pas régler la vie. C'est une fois dans sa vie qu'on peut parler à un président de la République. Mais madame, vous surtout n'êtes pas dans la une. Seule, oui. Femmes qui ont envie de parler au président de la République. Je l'ai séduit, il m'a vu, il a dit celle-là, je parle avec. Pas du tout, elles sont beaucoup à lever la main, je vais être obligée de prendre votre micro, mais madame. Je veux juste vous faire comprendre. Les remontées dont on a besoin, ce sont des propositions, des idées. Ouais. Je vais revenir sur ce que vous venez de dire, qui en sont. C'est ça. Et là, pour le coup, si vous n'avez pas confiance dans les personnes qui organisent les débats, je le dis vraiment, pour toutes et tous où vous êtes, non, vous pouvez vous-même organiser des débats. Vous vous inscrivez sur le site, ou vous vous inscrivez sur l'organisation d'un débat physique, vous le faites remonter. Il y a même des huissiers qui sont prévus sur le terrain. Il y a une procédure sur le site, c'est tracé, la ministre est en charge. Vous savez, il y a des garants. Dans les instituts de sondage. Donc voilà, non mais. Donc les algorithmes que vous avez mis en place pour traiter le grand débat. Je vous parle même pas d'algorithme. C'est tombé, quoi. Ça va rien remonter, ça va remonter que des mots. Allez, sur ce. Non mais. Madame, elle veut récupérer, s'il vous plaît, elle a les boules. Non mais je vais vous dire. Montrer quand même le gilet jaune des 33. Le gilet jaune des 33. En tout cas, moi, je suis très content que vous soyez là. Oui. Ce qui montre. Et là, c'est très important, je vous l'avais dit le soir même, le gilet jaune des 33. La franc-maçonnerie, je vous ai dit tout à l'heure, le plus haut niveau, c'est le 33e degré, donc les 33, c'est un peu les chefs, les grands chefs, les grands maîtres. Et là, pour leur défense, ils vous diront, parce que comme par hasard, ils ont choisi pour faire cette orchestration Bordeaux, pour que toujours vous perdre, que Bordeaux, le département, c'est le 33, et c'est pour ça que c'est Gilets jaunes 33. Sauf que, à ce moment-là, elle aurait dit le Gilet jaune du 33, pas des 33. Vous voyez, la nuance, elle est là. Que tout le monde doit être dans les débats et parler, proposer, et moi je crois au dialogue comme vous l'avez dit. Mais c'est la seule chose qui nous fera sortir de là. Je considère et j'ai toujours respecté tous les Français. Je n'ai jamais stigmatisé celles et ceux qui ont décidé de mettre un gilet jaune. Mais de la même manière, je n'ai jamais voulu tomber dans la démagogie qui consiste à dire je vais mettre un gilet jaune ou je vais porter ce badge. Non, mais moi, je ne le porte pas non plus. Voilà. Je ne le porte pas, je les ai achetés. Mais bien voilà. Sûr, non, mais. Et je me suis dit, bon, là j'y vais, je lui en amène un, je lui offre. Donc voilà, c'est clair et net. Alors, deux problèmes essentiels. Ceux qui vous diront qu'effectivement, elle fait partie de la bande à Rodrigue et que c'est trop bien, elle a réussi à approcher donc Macron, que voilà, ça n'a rien à voir avec le système, les services secrets, l'orchestration ou quoi que ce soit.
ça ne tient pas. Parce que, tout simplement, à aucun moment, nous n'avons vu la famille de Rodrigue porter comme première revendication, filer un gilet jaune 33 à Macron. Non, on n'a jamais vu ça, cette revendication, et elle a fait tout ce battage pour juste ça. Donc ça ne tient pas et ça ne tiendra jamais. Deuxièmement, et c'est là où j'aimerais attirer votre attention, parce que vous vous rendez compte à quel point c'est grave, ceux qui vous disent non, Rodrigue et toute sa famille, la famille, hein, et cette femme et tous les autres que je n'arrête pas de dénoncer depuis le début, et il y a un sacré bon nombre, ne font pas partie du système et donc des services secrets et des orchestrations, des orchestrateurs, ça ne peut plus tenir, pas après avoir vu ça, parce que tout simplement, mes chers amis, cela équivaudrait à dire que nous avons les pires services, que ce soit d'écoute et de surveillance militaire au monde, que ce soit les services secrets de sécurité intérieure au monde, que ce soit les services de gendarmerie et de police. Nous serions le pire pays au monde au niveau sécurité depuis la création de l'humanité. Voilà que cela dure depuis bientôt 5 mois. Voilà que nous dénonçons depuis 5 mois les orchestrations et les personnes qui sont présentées comme de simples gilets jaunes sortant du peuple. Voilà que j'ai démontré de manière implacable que les deux épisodes des voitures de police caillassées, l'une à Nuit Debout et l'autre récemment à Lyon, sont de grossiers faux. Je l'ai démontré, c'est simple à voir et à regarder. Voilà que cette femme, arrive à passer tous les filtres, d'accord, et à se retrouver à toucher Macron et à vouloir lui refiler un objet, peu importe s'il est jeune, s'il y a 33 dessus ou quoi que ce soit. Enfin, vous imaginez, est-ce que vous savez qu'il y a des protocoles, si vous voulez offrir quelque chose à un président? Est-ce que vous savez ce que c'est les enveloppes avec de l'anthrax? Est-ce que vous savez ce que c'est la sécurité dont devrait bénéficier un président de la République? Est-ce que votre cerveau peut encore accepter que ceci n'ait pas inquiété les services de sécurité et les services secrets de la République, tous les organes, je vais dire, qui dirigent notre armée, notre police, notre gendarmerie? Est-ce que votre cerveau accepte encore d'entendre que le système est pris au dépourvu et que tous ces gens ne travaillent pas ensemble? C'est clair, ouvrez les yeux, cette dame que vous avez vue dans la clique à Rodrigue, et combien même s'il n'y était pas, n'aurait jamais, jamais dû se retrouver collé avec Macron comme ça, en train de vouloir lui refiler un objet, de le toucher, etc., et de faire sa comédie. Jamais, si nous avions, ne serait-ce que les services de renseignement et les services de sécurité et les services secrets d'un pays, de n'importe quel autre pays, de je ne sais pas moi, du Guatemala, du Cameroun, vous prenez n'importe quel autre pays, même d'un tout petit pays, je ne sais pas moi, Malte, même de Malte, jamais, jamais cette femme aurait pu partir sans aucune enquête, jamais elle n'aurait pu entrer dedans, d'accord? Donc il va falloir à un certain moment vous réveiller, parce que là,
Je veux dire, ça fait trop de boulot pour moi, ça fait trop de boulot pour la dissidence, et là je parle de mon cas personnel, moi je croule sous les problèmes. Vous offrir comme ça à chaque fois des analyses, etc., ça devient de plus en plus difficile pour moi, et vous savez ce que j'ai subi, on m'a interné pendant 6 jours, et effectivement jusqu'à présent je ne trouve pas exactement la formule pour créer une structure pour vous fédérer, nous fédérer tous, et pour pouvoir commencer à recevoir votre aide pour justement essayer de survivre et de continuer à vous proposer mes stratégies, mes analyses, etc. Voilà. Je n'aime pas le système de cagnotte, je n'aime pas, de recevoir des enveloppes comme ça, avec des chèques ou quoi que ce soit, donc jusqu'à présent, je résiste, mais il est évident qu'il va falloir créer une structure qui, elle, recevra donc vos adhésions, vos financements, vos dons, et que cette structure me fera vivre, me fera vous continuer à vous donner ce travail et fera structurer, fera fédérer la dissidence et le groupe des esclaves, l'armée des esclaves qui sera une armée politique. Hein, politique. Il faut absolument que nous arrivions à donner un autre message que tous ces gens-là qui ne proposent que des fabrications et des manipulations. Voilà mes chers amis, on va s'arrêter là. On va pas faire long, je voulais vous passer le documentaire sur la franc-maçonnerie, mais je me rends compte que ça fait des vidéos trop longues après. Donc on va s'arrêter là, un petit salut général, pensez à tout ce que je vous ai dit. Les samedis jeunes, mais aussi, je vous invite vivement, soyez acteurs, prenez, nom d'un chien, des risques de vous de passer pour ridicule. Faites la minute jeune, le 13h jeune, faites-le tous les jours sans exception, y compris les samedis. À 13h pétante, vous sortez votre gilet jaune de votre sac, de votre manteau. Vous le mettez, même si vous êtes dans une rame de métro bondée, c'est le but. Vous le mettez, vous attendez une minute, ensuite vous l'enlevez et vous le rangez, même si vous êtes au McDo, même si vous êtes en train de marcher dans la rue, mettez des réveils sur votre téléphone à 13h, ou même il faut se préparer un vent, à 12h55, tous les jours, sans exception, le réveil il sonne, et à chaque fois vous faites ce geste, ça devient machinal chez vous, ça devient habituel, et vous contaminerez d'autres, je vous l'assure, vous donnerez du courage à d'autres, et petit à petit vous verrez que là où vous étiez seul à faire ce geste, petit à petit vous rendrez compte que vous êtes deux, et après vous verrez un peu plus de monde autour de vous faire la même chose. Faites-le les amis, le 13h jaune, tous les jours, à 13h, tout le monde en gilet jaune pendant une minute. Et bien entendu, les samedis jaunes, c'est ce qui fait que nous sommes aujourd'hui ensemble, que nous sommes là, que la révolution en soit à son 5e mois. C'est grâce au samedi jaune. Fuyez toutes les manipulations fabriquées par ces gens-là, par le système. Allez, Macron et toutes ces conneries, les démissions de Macron, nous mettre juste notre problème, c'est Macron ou d'autres conneries financières. Alors, sans attaquer personne, je vous dis que tous ceux qui partent dans l'analyse d'un but financier derrière toutes les orchestrations, la bande à Rodrigue et tous les autres, parce qu'effectivement, à chaque fois que vous creusez, vous trouvez que ces gens-là ont des choses à vendre, veulent gagner de l'argent sur le dos des gilets jaunes au travers de divers, que ce soit objets ou cagnottes ou autres. Mais vous faites erreur les amis, vous faites erreur, ça c'est justement une diversion du système. Ce qui compte pour ces gens-là, ils n'ont pas vraiment besoin d'aller faire les marchés pour proposer des bricoles pour les gilets jaunes. Ce n'est pas leur but.
ils exécutent un plan, ils exécutent des ordres pour le compte d'autres personnes qui n'ont aucun problème avec aucun argent. Ce qui compte, les amis, plus fort que l'argent, c'est le pouvoir. Ce qui compte pour tous ces gens-là, c'est de garder le pouvoir. L'argent, ils s'en contrefichent. L'argent, s'ils ont besoin, ils vous l'impriment. Il n'y a pas de souci pour l'argent pour ces gens-là. Ce qui compte, c'est que les esclaves ne s'affranchissent jamais. Les esclaves ne s'en sont jamais affranchis de toute l'histoire de l'humanité. Là, j'ai remonté à la mythologie depuis Spartacus en passant par Jésus, par plein d'autres événements dans l'histoire. Les esclaves ne se sont jamais affranchis. Et nous sommes les esclaves, nous sommes les Gaulois. Les Gaulois, c'est nous. Aujourd'hui, il s'agit juste de ne pas choisir un agent du système comme Spartacus ou comme d'autres. Il s'agit de choisir quelqu'un comme vous. Il s'agit d'abord de vous choisir vous-même. Et nous gagnerons enfin. Nous ne pouvons plus attendre la génération suivante. Nous ne pouvons plus arriver au monde, voir que ça ne tourne pas rond et s'occuper juste de boire, manger, travailler, dormir et laisser l'État, laisser ce monde dans le même état. Ce n'est plus possible et il n'y aura pas de deuxième chance parce que le système se perfectionne à la vitesse de la lumière. En plus, aujourd'hui, en se basant sur les nouvelles technologies, sur l'intelligence artificielle, il devient absolument imbattable, le système. Il est absolument imbattable. C'est notre dernière chance. Et le fait que plein d'autres peuples se soulèvent en même temps est important et indique qu'il n'y aura pas une deuxième chance. Il n'y aura plus d'autre chance. Prenez-en conscience. Je ne vous demande pas la lune. Je vous demande de prendre votre courage à deux mains. Deux mains. D'être vaillant et vaillante. Peu importe votre bord et votre couleur. Vous pouvez être gaulois. Mettez votre gilet jaune tous les jours à 13h. Montrez que vous êtes courageuse et courageux. Montrez-le aux autres. Soyez fiers. Vous avez compris. Vous avez compris de quoi il s'agit. Vous avez compris. Montrez aux autres que vous avez compris. Ils vous feront passer pour ce que vous n'êtes pas, pour fou, pour folle, pour ridicule, pour quelqu'un qui n'a rien compris à rien. Mais vous avez compris, les amis. Vous avez compris. Mettez-le, le gilet jaune, tous les jours à 13h, peu importe la configuration dans laquelle vous êtes, mettez votre réveil qui sonne 5 minutes avant. Mettez-le dans un bus, mettez-le dans un train. Passez le message rien qu'avec le geste et la symbolique. Si on vous demande, vous dites c'est tous les 13h, tous les jours, c'est ainsi. Aujourd'hui, on continue la semaine, mais de manière extrêmement, on va dire, simple. Hein, juste une minute à 13h. Allez les amis, au revoir au dernier, et on arrête le live ici. Allez, bonne nuit, ah bah bravo, bah l'héroïne du jour, donc qui a trouvé ce dont je voulais vous faire part. Bravo. Alors, bonne nuit, Tony Light, Keol, Schkix, Francis CH, Martial Leban, Delphine Aran, Martial Leban, c'est ce que je voyais, donc tu es un troll, allez hop, ici on fume trop, allez bye, bah, c'est, je viens de parler de gens comme toi, et je t'aide à partir, voilà, hop. Keolchkix,
Bah tiens, tu l'as compris, toi, tu l'as grillé, tu lui as dit bonne soirée Martial. Voilà, tu as compris qu'il fallait qu'il parte. Merci, donc pour moi, tu dis intervention très constructive, merci à toi, mais merci à toi de me suivre et de me soutenir. Salam alaikum, toi aussi, frère Samir Lamure, et bonne nuit. Catherine. Bon. Joachim Geronimo Lario, bonne nuit. Julien Siméon Pouget, bonne nuit. Olivier Anaël, tu dis merci pour ce décryptage et merci de nous faire partager ta vision. Merci pour ton soutien, ça fait partie, ça fait, oh ben ça y est, c'est la fin de la soirée. Ça fait plaisir de lire autre chose que des trolling, alors je ne vais pas m'en priver. Merci pour ton soutien Olivier Anaël. Merci à toi aussi Tony Light, tu me soutiens pour mes analyses. Merci Joachim Geronimo Lario pour ton soutien. Bonne nuit à tout le monde, à toutes et à tous. Et on se retrouve demain, comme d'habitude, parce que moi, personnellement, c'est ma sécurité. Si vous me voyez louper un seul live, un seul jour, sachez que il va falloir chercher après moi, les amis. Hein. Ne lâchez jamais. Sauvez-moi la peau. Vous m'avez déjà sauvé la peau une fois lorsqu'ils m'ont interné. Voilà, je fais ça pour vous. Vous pouvez me le rendre avec votre soutien. Et normalement, si nous devenons de plus en plus de courageuses et de courageux, ils ne pourront plus nous atteindre. Allez les amis, bonne nuit. Demain, 13h, le gilet jaune.